Ton ami te dit qu'il a envie de toi. Ton ami te dit qu'il a envie de toi. On n'est pas sur elle. On n'est pas sur elle, vous. C'est moi qui a parlé de ce guillemot. Bon, il ne peut pas te donner le téléphone. C'est elle qui m'a donné le téléphone. Il va te sauter une dent d'abord. Demande. C'est elle qui m'a donné le téléphone. Il ne peut pas te chouler. Tu parles de tu me connais pas. Il ne peut pas te chouler, c'est beau. Il peut pas te. D'abord, oh, regarde, c'est là d'abord. Attends, moi, attends, t'es juste d'abord qui est là. Attends, il va te juste. Oui, parle. Regarde, il arrive, viens, s'il te plaît, viens. Moi, il veut pas que ça se termine comme ça. Moi, il veut pas qu'il me tape. Il va pas te battre. Celui-là, il va pas te battre. Pourquoi il te dit qu'il a envie de toi? Ami, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Yann, c'est celui qui me donne l'argent. C'est celui qui te donne l'argent. C'est celui qui te donne l'argent. Lui, il te donne pas l'argent. Il me donne quel argent? Je parle de Thierry. Tu vois, elle l'appelle. Donne-moi un peu son sérieux. Donne d'abord. C'est là que le sais, bro. Regarde, donne-moi le sérieux. C'est là que le sais. Attends, elle se moque de moi. Non, laisse. Regarde. Je sais pas, qui cache, qui je paye le loyer, tu penses qu'il fait comment pour payer le loyer? Parle. Non, bro. Oui. Merde, combien? Bro, qu'est-ce que tu dis comme ça en combi, gars? Bro, go, pas. Bro, tu peux taper sur les femmes, hein? Go. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il y a encore histoire d'amour, ça peut le cas, je vais vous laisser. Suivez l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Bonsoir, bro. Ah, bonsoir. Et la forme? Calme. Ok, je suis avec... Axel et Lina, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ok, est-ce que tout se passe bien? Oh, tout est posé. Tranquille. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré? Bon, au school en fait. Depuis le lycée? Oui. Jusqu'à présent? C'est quand même beaucoup, 2 ans. Vu que d'habitude on dit après le bac, il y a beaucoup de choses qui se compliquent à l'université, il y a beaucoup de go, il y a plusieurs formes qu'on voit. Pourquoi jusqu'à présent, toi, tu n'as pas encore essayé de virer? Non, c'est parce que je crois à Mangano. Moi, je ne suis pas dans le genre qui veut go partout pour faire les go. Ouais. Donc, je suis focus sur une personne pour avancer. Parce que pour réussir, il faut d'abord être seul. Tu vois un peu, non? Et maintenant, j'ai pris l'INARES pour m'appartenir. Donc, avec elle, on avance. Malgré les hauts et les bas, on serre le coude et on avance. Et toi, tu fais comment quand tu vois une autre inga qui est mou et tout ça? Comment toi, tu arrives à te conclure? C'est le mental, non? Ouais. Tout, c'est le mental. Justement, en que tant je suis focus sur la gauche là. Donc, tous les autres gars que tu vois, ce sont les garçons. Ouais. Et tu arrives à gérer comme ça? J'ai, non. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu as confiance à lui? À 100%. À 100%, honnêtement. Et puis, on dit que les gars, là, c'est, on ne doit pas les faire comment? Comment toi, tu arrives à faire ça? On dit souvent qu'ils sont les bad boys, non? Il est bon, mais au moins, il est fidèle. Il est fidèle. Tu es sûr qu'il est fidèle. Est-ce que ça t'arrive souvent de fouiller dans son téléphone? Parfois. Il te cache pas son téléphone? Non. Est-ce que tu as son mot de passe? Oui. Tu as son mot de passe? D'accord. Ça remonte à combien? La dernière fois que tu as touché son téléphone, remonte à combien de temps déjà? Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Ah, ok. Et bon, et toi, est-ce que ça t'arrive aussi de toucher dans son téléphone ou bien toi, tu n'as pas le temps? Moi, je ne fouille même pas la voix généralement son téléphone. Parce que. Bref, moi je me suis dit que la relation c'est la confiance. Déjà commencé à fouiller le téléphone, là, ça va commencer à mettre les doutes dans ma tête et puis un jour ça peut chakra. Donc mieux c'est mieux de rester dans l'incognito. Tu avances comme ça. Attends, tu préfères ne pas connaître la vérité, ce qui se passe dans ce téléphone? Déjà que je lui fais confiance d'abord. Donc moi je pense pas qu'il y a quelque chose à cacher. Ok. Et côté soupçon, est-ce que tu doutes souvent, genre si elle ne fréquente pas quelqu'un d'autre? Parfois non, ça peut arriver peut-être quand tu appelles ta go, ça sonne, elle ne décroche pas, le truc, oui ça peut arriver, mais je ne pense pas qu'elle soit capable de faire ça. Vous n'avez jamais eu de problème d'infidélité dans votre relation depuis les 2 ans que vous êtes ensemble? Genre peut-être être attrapé avec une autre fille ou bien elle a soupçonné tes conversations, pareil pour elle, jamais depuis que vous êtes ensemble? Non, c'était au début que comme ça arrivait, c'était de mon côté mais pas de son côté. Ouais, c'était au début, il fallait quand même, mais quand on doit un jour là, tu as baissé la garde. Ouais, tout est carré. Ok. Et vu que j'ai dit que tu n'as pas le temps de fouiller dans son téléphone, tu le fais ça pour éviter les problèmes ou bien pour toi, tu as mis le principe que dans la relation, on ne fouille pas les téléphones et pas les autres? D'abord, le téléphone, c'est son téléphone. De partir fouiller son téléphone, là, c'est chercher les problèmes pour rien. Parce que moi, il peut fouiller son téléphone, il voit les messages que. Tu vois un peu, non, c'est un peu ça. Mais elle est fouillée dans le tien. Même aujourd'hui, dès qu'aujourd'hui, elle a même fouillé ton téléphone. Mais c'est normal. Non? Elle peut t'amuser pour t'aller photo, non? Est-ce que fouiller le téléphone, souvent, elle va forcément dire que tu prends le téléphone pour fouiller les messages ou bien. Attends, quand tu prends, tu fouilles pas les messages.
comment aujourd'hui quand tu dis que tu as fui, tu as regardé les messages? Quand il parle, il regarde toujours les messages, la première des choses. Et lui ne sait pas, peut-être lui pense que toi tu prends un traitement pour te filmer. Mm-hmm. Après je prends une photo et puis ça va. Comme aujourd'hui, quand tu as vu, est-ce qu'il y avait quelque chose de suspect? Non. Mm-hmm. S'il y avait même quelque chose de suspect, c'est que tu n'es même pas joyeuse comme tu avais vu là. C'est que tu as froid sur le visage. Et bon, aujourd'hui, vu qu'elle est fouillée dans ton téléphone, on va voir. Et toi, tu dis, tu ne fais presque pas dans son téléphone. Est-ce que toi, tu es d'accord quand tu dévoiles ton téléphone, tu donnes à ton gars et lui aussi regarde dans ton téléphone? Non, vu que même tout à l'heure, tu devais être fouillée dans l'océan. Non, pourquoi? Il n'a pas besoin de ça. Il me fait confiance, c'est tout. Est-ce que tu lui caches un truc? Non. Tu ne lui caches rien? Oui. Alors, est-ce que ça te dérange de dévoiler ton téléphone deux minutes? Est-ce que bon, ça te dérange qu'on dévoile son téléphone et te donne, on essaie de regarder? Non, il n'y a pas de problème, on va même à part. Voilà. On va même à part, vu que même tout à l'heure, toi, tu viens me défouiller son téléphone. Oui. Toi, si tu veux, tout à l'heure, tu as fouillé sa part. Tu vas fouiller sa part. Je ne pense pas que c'est encore la peine si on fouille dans son téléphone. Ça ne va pas la peine qu'on fouille notre téléphone. Non, toi, que... comme tu viens de fouiller sa part. Et que lui ne fouille pas ta part. Tu as confiance à lui avec raison parce que tu ne vois rien. Lui, il te fait confiance en aveugle. Genre, il ne sait pas si tu peux cacher les choses. Est-ce que tu peux dévoiler ton téléphone comme il vient de faire, ça n'a pas été donné là. Est-ce que tu peux dévoiler lui donner? Je préfère te donner mon téléphone. Est-ce que tu peux dévoiler au moins? C'est à lui que tu vas remettre. Tu me donnes, je vais lui donner. Bébé, est-ce que tu as besoin de fouiller mon téléphone? Donne un fouille, si y a le temps. Donne un fouille, on finit, on cuit ton pan. Après, si tu as quelque chose à cacher, sinon pourquoi tu ne peux pas donner ton... Non, ce n'est pas que j'ai quelque chose à cacher, c'est... Ma batterie est même d'abord faible. Fais voir. Et ça, à 18%. Ça peut faire l'affaire. C'est pas... On ne tourne pas le film avec ton téléphone. Baby, donne ton téléphone à quand? De oui. Ok. Comment tu l'as enregistré, son nom? C'est Amour. 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 Mm-hmm. Ok. Bon, tu préfères qu'on aille au SMS ou bien WhatsApp? Ah, zoom partout, tu veux, non? Ok. Non, c'est WhatsApp. Tu as dit que tu as un essai Amour, c'est ça? Ok. Si un gars appelle ta go, genre mon bébé, mon cœur, est-ce que ça va te déranger? Bref, ça dépend. Ça dépend? Oui. Ok. On va essayer de taper mon bébé, mon cœur, voir. Non, là, ton nom, Amour, Amour. C'est qui Yann? Yann, c'est un ami. Yann, un ami. Mm-hmm. Non, dis la vérité. Un ami comment? Un ami, non. On est ami avec un garçon comment? Un ami. Tu es ami avec un garçon? Oui. Et pourquoi lui t'envoie bonjour mon bébé? Bonjour mon bébé, comment tu vas mon cœur? C'est que lui, il aime souvent m'appeler comme ça. Et toi, il dit bonjour mon bébé, toi tu dis comment tu vas mon cœur? On s'appelle juste aussi comme ça, non? On vous appelle juste comme ça? Oui. Ok, attends. Regarde là. Nous sommes quand? Vendredi, non? Voilà. Mercredi 22h, deux appels vidéo. Pourquoi vous faites les appels vidéo? Vendredi, nous sommes vendredi, aujourd'hui c'est mercredi, ils ont fait à 22h, ils ont fait deux appels vidéo. Et t'as appelé, tu as raccroché à l'heure. Alors continue. C'est parce qu'il était occupé. Occupé avec lui en appel vidéo, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu fais les appels vidéo avec une personne que tu dis est que ton ami? Moi, je ne veux plus faire ça. Je veux même mon téléphone, par là. Et du coup, tu ne veux plus faire ça? C'est juste un ami, non? Mais je ne refuse pas, si c'est ton ami, pourquoi est-ce que tu... Tu l'appelles maintenant, on lui demande que c'est ton ami, il va accepter d'être que tu es ami avec lui. Pourquoi on va l'appeler? Non, si on peut l'appeler, s'il accepte qu'il est ami avec toi. Non, il ne veut pas qu'on l'appelle. Pourquoi? Parce que c'est mon ami, non? Il est au travail. Attends, on va appeler. Tu as dit que c'est ton ami. Oui. Hein? Oui. On va appeler. Si il confirme que tu es juste son ami, on arrête la vidéo. Tu es d'accord? Et s'il ne confirme pas? Mais s'il dit le contraire, ça veut dire que tu mens. On l'appelle. Bébé, est-ce que tu as besoin qu'on appelle pour prouver? On appelle, non. Est-ce que moi je suis avec toi? Ce que tu es en train de parler là, c'est long. Déjà qu'il t'a appelé à 22h, tu as raccroché parce que tu as un appel vidéo. Il était en train de... Tu es en train de dormir, on voit l'appel vidéo. Si on voit l'appel vidéo, tu causes, c'est le fantôme qui causait.
On l'appelle. Il n'y a même pas les unités. J'ai les unités, si tu veux, on appelle. Non, moi, tu as les unités. Non, mais je passe une parole au côté. Yann, c'est qui? Je t'ai dit que c'est mon ami, non? C'est ton ami, oui. Entre bien dans les conversations. Là. Tu vas envoyer les photos vues uniques. Pourquoi tu l'envoies les photos en vue unique? C'est quel type de photo que tu l'envoies en vue unique? Inès, tu envoies les photos en vue unique. Continue, monte. Attends. Moi, il quand même pas la pourquoi vous étiez, pourquoi tu étais au restaurant avec lui? Ah, on est sorti manger, non? Est-ce que tu savais qu'elle allait au restaurant avec lui? No. Non. C'est pas le jour qui t'a dit qu'elle devait aller à Sardi là. Hein? Tu m'as dit que tu parlais avec une amie. C'est un homme ou bien c'est une femme? Parce que là, ce sont les photos, ce sont les photos que lui l'a envoyées. Parce que quand je monte un peu plus haut, je dis coucou, je suis bien arrivé à la maison. S'il te plaît, tu peux m'envoyer nos photos. Et voilà les photos que lui, il a envoyées. Descends, continue, descends. Voilà les photos que lui l'a envoyées. Et elle dit, merci beaucoup mon cœur, j'ai vraiment aimé la journée avec toi. Linares, Yann, c'est qui? J'étais au pont d'une semaine. Ah. Attends, une personne que... T'es pas là, tu piaffes. Non, c'est pas que je piaffe, c'est juste un ami aussi comme ça. Un ami que tu envoies les vues uniques, tu fais les appels vidéo à 22h, vous finissez à minuit, ça veut dire quoi? Et il t'appelle, tu raccroches, tu as dormi sans même souhaiter bonne nuit le jour-là. Il me rappelle que toi et moi, on a des problèmes ce jour, non? Mais on s'était souvenu. Yann, c'est qui? Bon, continue de lire, peut-être qu'on... Attends. Parce que moi, le problème, c'est que... C'est seulement avec lui. Attends, même si c'est seulement avec lui que tu causes, tu vous es allé au restaurant ensemble. Tu as dit que tu appelles mon cœur, tu as aimé passer la journée avec lui, et vous partagez les photos et tout. Oui, mais parce qu'il m'amène, il fait la belle vie, on sort, on se balade et tout. Est-ce que toi, tu as l'habitude de sortir avec moi? Tu vois le rapport? Même si tu n'as pas l'habitude de le faire avec toi, est-ce que c'est avec ton ami, soit disant ami, que tu dois le faire? Même si tu le fais avec ton ami garçon, il doit être au courant. Est-ce que tu l'as demandé? Qu'est-ce que tu avais dit que tu partais avec, qu'elle partait avec une copine? Ah, elle m'a dit qu'elle sortait avec sa copine. Livre. J'étais dit une amie, j'avais seulement oublié de mettre les E là. Ça, samedi le 13. Le 13. Ton ami te dit qu'il a envie de toi. Ton ami te dit qu'il a envie de toi. On n'est pas sur elle, Bec. On n'est pas sur elle, vous, Abec. N'étais pas sûr. Donne-moi d'abord aussi. Donne-moi le téléphone. Moi, il a pris son téléphone. Ouais, même si tu dois récupérer le téléphone, c'est pas ici, ça prend un menu. C'est elle qui m'a remis le téléphone. Tu veux prendre mon téléphone, c'est toi qui as acheté. Je parle, tu parles. Bon, ça va. Donne-moi d'abord le fil. Je sais que c'est rare à ta position, mais même si tu veux récupérer le C, c'est pas ici. Slack d'abord, regarde. Slack d'abord. Attends, t'es juste d'abord qui est. Attends, il va te juste. Oui, parle. Regarde, viens, s'il te plaît, viens. Moi, il veut pas que ça se termine comme ça. Moi, il veut pas qu'il me tape. Il va pas te battre. Celui-là, il va pas te battre. Pourquoi il te dit qu'il a envie de toi? C'est lui qui n'est pas ton simple ami. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Et c'est celui qui me donne l'argent. C'est celui qui te donne l'argent. Lui, il te donne pas l'argent. Il me donne quel argent? Je parle de Thierry. Tu vois, elle l'appelle. Donne-moi un peu son cerveau. Donne d'abord. Attends, elle se moque de moi. Tu te moques de moi. Donc, c'est celui qui te donne l'argent. Tu te moques de moi. Tu vas commencer les pubs avec moi. Pourquoi pas quand même te laisser taper? Slack. Pourquoi quand même te laisser taper? Donne-moi le seulement son C. Attends, pourquoi tu veux que te donne son téléphone? Donne-moi seulement son C, non? Avec, pardon.
Regarde, tu es un boy comme moi. Tu es un boy comme moi. C'est pas devant les rues que tu vas venir tenir ton image. Back avec à la maison. Même si tu veux back seul, si tu veux recruter ton thé, appelle là, tu recruter ton téléphone en free boy. Non, donne-moi mon C. Ah bon, il ne faut pas te donner le téléphone, gars. Donne-moi le C, donne-moi le C. Il ne faut pas te donner le C. Au moins, il faut back ensemble. Oh. Back où? Vous rentrez quand même ensemble. Gars, moi je suis même pas. Comme tu rentres là, le jour que tu vois encore chez moi. C'est toi qui paye la maison là. C'est bien. Tu rentres, tu ramasses tes choses, tu pars. Attends, ramasse tes choses, tu pars. Qui paye le loyer, tu penses qu'il fait comment pour payer le loyer? Parle. Non, gros. Oui. Merde, un combi. Bon, qu'est-ce que tu dis comme ça en combi, gars? Go, pas. Oui, tu peux taper sur les femmes. Gars, go. Comment tu peux prendre le téléphone? Comment tu peux parler? Tu rentres, tu ramasses tes choses, tu pars. Attends, comment tu peux lui parler comme ça? C'est toi qui loue la maison. C'est moi qui paye la maison. Et lui te demande de rentrer, tu poses tes choses, tu pars. Toi, tu demandes qu'il rentre, il pose ses choses, il part. Au final, tu es à la maison. Mais c'est moi qui paye la maison, non? Ça fait combien de temps que tu avais hier? Ça fait déjà 3 ans que nous sommes ensemble. 3 ans que vous êtes ensemble? Oui. Donc c'est lui qui est dans la relation avec ta relation avec Yann? Oui. Et pourquoi tu as avec lui alors? Parce qu'il est beau, non? Ah, il en reste. C'est quoi ton plan? Tu aimes qui entre les deux? Je n'aime personne entre les deux. Tu n'aimes personne entre les deux? Oui. Donc tu avais Yann pour son argent? Oui. Et celui-ci parce qu'il est beau? Oui. Est-ce qu'il te forme bien? Est-ce qu'on a même d'abord fait? Donc je cherche encore quelqu'un qui fait juste avec, non, tu peux pas être avec quelqu'un pendant 2 ans parce qu'il est beau. Arrête ce que tu es en train de faire là. Je suis avec lui parce qu'il est beau, que lui-même il ne me trompe pas. Je suis celui qui supprime seulement les messages. Tout à l'heure, tu as fouillé son téléphone toi-même. Oui, je fouille. Peut-être il supprime les messages, non? Et si maintenant Yann lui regarde, il voit la vidéo sur le réseau, tu vas faire comment? Ah, Yann même, il va que me donner l'argent. Donc lui paye la maison, tu prends un autre gars, vous vivez ensemble. Yann ne connaît pas où je vis. Et pourquoi tu as pris celui-ci pour vivre avec lui? Ah, parce qu'il avait des problèmes chez eux, non? Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es avec lui? Vous vivez ensemble? Ça fait à peine un mois. Bien. Merci beaucoup à toi. Moi, je n'ai pas voulu donner ton téléphone. Parce que moi, je vais essayer de lui donner le téléphone pour casser le téléphone. Il veut casser mon téléphone, qui connaît le prix. Spécialement quand vous allez rentrer là, vous allez bien vous organiser. Il va m'appeler. Lui va t'appeler. Lui, il va m'appeler. Ok. Et c'est celui qui va m'appeler. Tout le monde va rester en contact pour qu'il sache si vous vous arrangez ou pas. Si tu as besoin de moi, on ne sait jamais. Merci beaucoup à toi. C'est bon, petit.